Samedi soir, le parcours incroyable de Montauban cette saison s'est confirmé. 16e match à domicile et 15e victoire pour l'USM qui n'est plus qu'à une marche de retrouver le top 14. Mais avant, il va falloir battre Agen. Après leur victoire 24-13 face à Mont-de-Marsan, les Tarn-et-Garonnais sont favoris pour cette finale. Samedi, dans un stade de Sapiac survolté, les Verts et Blancs se sont montrés d'un pragmatisme chirurgical. Pensionnaires de la Fédérale 1 il y a 3 saisons, les hommes du duo Whittaker-Lafont ont livré la partie parfaite. Et pourtant, la saison n'avait pas si bien commencé. Leader surprise cet hiver, quasiment condamné après un printemps difficile, les Montalbanais n'ont pas perdu leur état d'esprit de conquête. Ils ont tous les ingrédients pour monter dans l'élite. On est à peu près complet, on a une conquête qui est solide. On essaye de produire du jeu, voilà, on a basé notre jeu sur du mouvement, on essaye en permanence de créer des choses. Donc voilà, c'est cette alchimie-là qui fait que ça a bien fonctionné cette année. 7 ans après avoir quitté le top 14, suite à une rétrogradation administrative en Fédéral 1, les Montalbanais ne sont plus qu'à une victoire de retrouver l'élite. C'était gravé, c'est quelque chose de fort pour le club, de fort pour la ville, de fort pour l'équipe. Donc on va essayer de faire honneur aux anciens qui en 67 ont fait le métier. La finale, ce sera dimanche à 15h au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Bordeaux, où il y a 50 ans, l'USM était sacré champion de France. Le club et toute la ville sont euphoriques à l'idée de réitérer l'exploit.